Les funérailles, un moment douloureux qui peut aussi être très coûteux pour la famille. Cette entreprise guadeloupéenne s'est lancée il y a un an dans la commercialisation de cercueils en carton. Cette année, à la mort d'un proche, Julien a dû organiser sa crémation. Il s'est laissé tenter par cette alternative. On n'avait pas forcément les moyens de tout réaliser, de rassembler la somme nécessaire justement à ces funérailles. Et donc du coup, on a choisi de s'orienter vers une voie funéraire. Avec une entrée de gamme à 350 €, il est beaucoup moins cher que les cercueils en bois. Son assemblage ne prend que quelques minutes. Il répond néanmoins à des normes légales très précises. Il dispose d'une cuve d'étanchéité et peut résister à plus de 200 kg. Une alternative économique, mais aussi écologique, selon la gérante de l'entreprise. Les cercueils en carton sont en réalité des fibres de cellulose, donc c'est du carton recyclé. L'ensemble des matériaux donc, qui sont constitués pour ces cercueils, notamment les poignées qui sont en coton tissé, nous avons nos capitons qui sont en lin naturel. L'ensemble de nos pièces sont 100% biodégradables. Ces cercueils seront bientôt disponibles pour les inhumations. Reste à passer la barrière psychologique. Il est déjà très populaire en Angleterre et au Canada.